PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Ce soir sur le papier, une très belle équipe. Un 4-3-3, on parle de 4-2-3-1. Bon, voilà, la formation est changeante selon l'humeur du match, je dirais. Qu'as-tu pensé de la performance des Parisiens ce soir? Bonsoir à tous, selon l'humeur du coach plutôt. Hein, quand il entend qu'il faut mettre Messi en 10, parce que Messi n'a plus 22 ans pour pouvoir jouer ailier. Hein. Quand tu as des absents comme Kylian Mbappé, selon l'humeur du coach, selon son bon vouloir. Encore une fois, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus lucide par rapport à l'effectif qu'il a entre les mains. Parce qu'encore une fois, ce soir, il est sauvé sur le gong. C'est pour la énième fois. Il y a un moment donné, ça ne passera plus, Maurice. Ça, tu penses pas qu'on a du crédit à lui donner de toutes ses performances finalement prises sur le fil, ses scores à la dernière minute, ce money time? Quel crédit? Il y a une époque, on parlait bien de Ferguson pour son Fergie Time, justement, ce jeu de mots avec le Money Time. Qu'en penses-tu pour Pochettino? Pochettino n'est pas Ferguson. Il n'a même pas son CV, il n'a pas son palmarès. Ne fais pas de parallèle. Ferguson, c'est Ferguson. Pochettino, c'est Pochettino. Et jusqu'ici, au Paris Saint-Germain, Pochettino ne me montre rien. Ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que je... Victoire à l'arraché, les victoires à l'arraché, c'est pas... Des victoires à l'arraché, t'as vu l'équipe qu'on a, je le répète. J'ai pas envie de crier ce soir, Byron. Comme tu veux, la parole est libre. Crier, j'ai pas envie de me bousiller la santé à nouveau. Avec l'équipe qu'il a, il doit s'imposer plus facilement, entre guillemets, j'ai envie de te dire. Ok, c'est les champions de France en face. Je néglige pas ce fait-là, mais tu dois montrer plus. Tu as des supporters parisiens qui veulent prendre du plaisir en voyant cette équipe. Les joueurs eux-mêmes ne prennent pas de plaisir ce soir. 4 tirs encadrés à la mi-temps. Cette équipe est malade et Poch ne veut pas la soigner. Poch attend. Il y a un moment donné, ton équipe est tellement malade. Tu vas affronter du Lens bientôt. Tu vas affronter du Monaco. Tu vas affronter du City dans les semaines à venir. Ils vont voir ton équipe malade. Ils vont la passer à tabac. Si tu ne réagis pas maintenant, la chute va être très brutale. C'est juste ça que j'aimerais éviter et je sens qu'on en prend la direction. Et en parlant de direction, pareil, Pochettino, tu nous dis hier en conf de presse, Messi a une gêne musculaire. Pourquoi tu l'alignes ce soir? Parce que en haut, et celui à qui je pense, et son tour va bientôt venir sur cette chaîne, parce qu'il commence sincèrement à me saouler. Et oui, cher DS, vous commencez à me saouler. Parce que en haut, on a dit Messi doit jouer. Les gens sont venus au stade, donc il faut aligner Messi. Messi a une gêne musculaire, je m'en bats les couilles de son statut. Il n'a pas à jouer. Ce soir, on voit encore cette mascarade qu'il y a autour de tout ça, autour des statuts. Parce que les statuts ont un poids, on s'incline face aux statuts. Messi joue 45 minutes, il sort à la mi-temps, c'est inadmissible. On nous prend pour des cons au Paris Saint-Germain et ça fait plusieurs saisons que ça dure. Mais comme là, t'as un effectif de rêve, pour moi, ça ne passe plus. Tu te dois à chaque match de montrer des belles copies, en tout cas des copies correctes. Ce qu'on voit depuis le début de saison, ce n'est pas correct. Finalement, tu dis que finalement, il est condamné en fait à faire des choix par défaut parce qu'il y a des stars au Paris Saint-Germain. C'est ça que tu dis? Mais ça, je pense que c'est un paramètre à prendre en compte dans le fait qu'il n'arrive toujours pas à mettre de système de jeu en place. Il est tenu, c'est important. Il n'a pas les pleins pouvoirs. Ok, je lui tire dessus, mais je veux bien également reconnaître qu'il n'a pas les pleins pouvoirs. Il y a des gens en haut qui le contrôlent. Il n'est pas libre de tous ses faits et gestes. Il n'est pas libre. Parce que pour être comme un piquet sur le banc de touche, c'est que tu n'es pas libre. C'est que tu es observé. C'est que tu as chaud de faire la moindre erreur. Tu te sens sur le qui-vive. Et ça depuis qu'il est arrivé. Donc au niveau de son attitude, j'aimerais qu'il change. Au niveau du jeu, ce soir j'ai pas aimé la copie de Neymar, même s'il est passeur décisif. Wijnaldum a toujours du mal un peu dans le jeu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'autre, là, parce que lui, déjà, il aurait même pas dû refouler là la pelouse du parc à la sortie de Messi. Lui, il aurait pu nous sauver ce soir. Mais il met même pas un pied devant. On voit bien sur son occasion. Donc pour moi, c'est l'autre. Je dis plus son prénom, il mérite pas. Déjà, il a pas refoulé la pelouse du parc, comme je le dis. Donc voilà, j'espère que dans les semaines à venir, on va encore croiser les doigts. Mais je sais pas jusqu'à quand on va croiser les doigts pour que cette équipe elle retrouve des couleurs. Donc voilà, bonne soirée. Merci à toi.